J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu chill où je vais vous dire, bon, vous avez vu le titre, pourquoi je vais arrêter de mettre des outros. Bon, je vais vous mettre quelques petites images de gameplay en attendant, histoire de vous faire un peu patienter, histoire que ça bouge un peu dans la vidéo. Bon. Au début, je pensais vous faire part de ma pensée via le Discord. Bon, étant donné que j'ai commencé à écrire et ça faisait un énorme pavé, César, je me suis dit, bon, essayons de faire une petite vidéo peut-être. Bon, je vais être extrêmement redondant par rapport à d'autres personnes, à tous les youtubeurs, etc., etc. Mais bon, YouTube, avec les copyrights, ils sont extrêmement attentifs, ils sont de plus en plus stricts, etc. Ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Il y a environ un an et 6 mois, donc un an et demi, j'avais dû modifier mon outro. Pour ceux qui sont en train de froncer les sourcils et qui ne savent pas de quoi je parle. Une outro, c'est tout simplement une sorte de petite conclusion de la vidéo. Où là, en l'occurrence, c'est une. Dans mon cas, j'avais mis une petite Inata qui vous dit au revoir. Et avec une petite musique extrêmement chill, qui était bien. Bon, du coup, il y a un an et demi, j'avais modifié la musique de la vidéo qui était toujours d'actualité, évidemment. Et pour ce faire, il y a un an et demi, j'avais dû modifier ceci pour des raisons de droit d'auteur, évidemment. Et pour ce faire, j'avais utilisé une musique d'Audio Library, donc qui est la chaîne que YouTube a créée pour donner des musiques de droit d'auteur libres de droit pour tous les créateurs sur YouTube. Donc c'était très bien. J'avais pris un petit passage de cette musique. C'était plutôt cool pour mon outro. Toujours est-il que je me suis rendu compte que sur ma vidéo présentation de mon serveur Discord, eh bien, il a détecté, donc le robot YouTube a détecté la musique comme une musique d'un artiste, etc. Et a fait une réclamation copyright, etc., etc. Va bien, il n'y a pas mort d'homme. Mais bon, bon, si vous voulez, même si les musiques d'Audio Library ne sont plus tout à fait sûres à 100% d'utilisation libre de droit, etc., etc., je me dis que c'est quand même compliqué. Donc du coup, bon, pour ceux qui se demandent, je pense que je vais laisser l'outro sur la vidéo présentation du Discord. D'ailleurs, excellent Discord, la communauté extrêmement chill. C'est très détente, j'apprécie beaucoup, beaucoup l'ambiance qui est vraiment extrêmement cool. Et donc du coup, c'est très très bien. Bon, je pense que je vais laisser l'outro parce que bon, c'était quand même c'est un petit peu, ça fait un peu partie de l'histoire de la chaîne maintenant. Je l'ai laissé pour des raisons historiques, etc. Enfin, historique. Le melon du gars. Oh là là, je suis terrible. Bon, écoutez, oubliez ce que j'ai dit, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la chaîne. Ça fait un peu de nostalgie. Bon, lorsque j'avais créé cette petite outro, bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec mes moyens du moment. Elle casse pas trois pattes à un canard, mais bon. M'étais dit que ça faisait plus ou moins le taf. Et puis bon, vu que c'était un peu nostalgique, bon, je me suis dit let's go, autant la laisser. Et donc voilà. Du coup, je me dis, même si les musiques d'Audio Libre ne sont plus libres de droit, etc., je pense que ça va être compliqué de créer une auto-tro. Puisque tout simplement, c'est pas trop mon domaine d'expérience. Enfin,
Vous pouvez le constater, bon, c'est pas extrêmement ce que j'ai fait. Bon, c'est ce que c'est, quoi. Ça a le niveau que ça a, etc. Et bon, si je trouve une musique qui, dans un premier temps, ne subit pas de copyright et qui, par la suite, on ne sait jamais, au bout d'un moment, roulement de tambour, eh bien, on a des soucis de copyright à ce niveau. Eh bien, je me dis que c'est un petit peu dommage. Donc, bon, c'est du coup deux des raisons de pourquoi j'arrête, que je vais arrêter de mettre des autres, c'est parce que bon, au niveau des copyrights, attention, il faut être attentif. Et au niveau de si jamais je décide de faire une autre, bah, que je trouve qu'elle soit assez qualitative, mais bon, c'est certainement pas quelque chose que je puisse faire. Bon, du coup, la question des musiques, ben, va rudement se poser au niveau des examens ninja. Donc, pour ceux qui savent pas, je fais des examens ninja, avec des compos free to play depuis l'étage, 300, quelque chose comme ça. Même avant, je crois. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, je mets des musiques parce que bon, si je commence à essayer de parler à chacun de mes enregistrements des examens ninja, ça va être compliqué. Puisque, ben, pour certains examens, il m'arrive de faire 20 essais, 50, voire 100 pour le plus dur. Je pense évidemment à l'examen 410 qui est assez compliqué. Avec des compos, avec des ninjas purement free to play. Donc, bon. Je pense que, d'après ce que j'ai pu voir, etc., sur un petit peu les vidéos précédentes, il faudrait que j'utilise des musiques, d'une chaîne. Donc, c'est No Copyright Sounds. Bon, en gros, il y a énormément de musique électro, donc dommage. Ça va un peu se résumer à ça. Et qui, eux, ont pris l'initiative de. En gros, ils se sont détectés eux-mêmes en tant que. Ils ont inscrit leur musique via le robot YouTube. Et ils ont dit au robot YouTube, si quelqu'un utilise nos musiques, il n'y a pas de souci, ne fais rien, tout va bien, etc. Donc. Je pense que du coup je vais devoir utiliser ce genre de musique pour les examens, donc ça veut dire beaucoup de musique électro. Désolé à tous ceux qui n'aiment pas ce genre de musique. Bon, ça va être compliqué de mettre des musiques, soit un penchant rock, soit un penchant rap, donc bon. Ou tout autre style de musique d'ailleurs, mais bon. Bon, bah, je pense que je vous ai tout dit, ce que j'avais à dire à ce niveau. Donc évidemment, tout va bien. Pour vous, je pense pas que ça change grand-chose. Et bon, pour moi, c'était un petit peu important de mettre un peu mes idées au clair à ce niveau. Voilà, histoire que ça laisse une petite trace de mes pensées. Donc il n'est pas dit que bon, si jamais, sait-on jamais de refaire une intro, mais à mon avis c'est pas là dans l'ordre du jour, et ça le sera très probablement pas. Donc voilà. Bon bah du coup j'espère que je vous ai pas trop embêté, avec tout ça. Bah, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend à l'heure où vous regardez la vidéo, bien évidemment. Ben moi je vous dis à très bientôt.